Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose de crocheter des petites chaussures pour bébé. Donc là, on va faire une taille 6 mois dans ce tutoriel, mais je vous ferai aussi un guide pour les autres tailles, vous verrez. On va commencer donc par voir un petit peu ce qu'il faut comme matériel et ensuite on va passer au crochet. Ok? Donc c'est parti! Pour le matériel, alors on va déjà commencer par la pelote. Donc on va avoir besoin d'une pelote avec les caractéristiques suivantes. Donc moi j'ai pris donc une pelote de la marque Ice Yarns. Alors c'est la Baby Summer DK et on a donc 50% de coton et 50% d'acrylique, 50 g par pelote, 105 mètres à peu près de fil pour crocher 3-4 mm. Voilà, donc je vais en avoir besoin d'une, mais bien sûr on va pas utiliser la pelote complète. Donc au final, il en faut un petit peu moins d'une pelote. Ok, ensuite, le crochet qui va avec. Donc c'est un crochet 4 mm que j'ai avec moi. Ensuite, j'ai un ruban de la couleur rose. Donc là, bien sûr, les couleurs, vous faites au choix. Hein. C'est comme vous voulez. Donc moi, j'ai ruban rose. Donc pour les caractéristiques, hein, c'est du 5 mm, si jamais. Voilà. Ensuite, j'ai deux fils différents. Le fil ici, c'est pour coudre les scratchs avec l'aiguille à coudre. Ce fil ici, c'est pour coudre le nœud, une fois que vous aurez terminé sur ce fil rose, parce qu'il faut qu'il soit de la couleur de votre pelote. Lui, couleur de votre scratch, couleur de votre pelote. Ok? Ensuite, bien sûr, l'aiguille à coudre. Et aussi une aiguille à gros chat pour les coutures après que vous allez avoir à faire. Quand au niveau de la chaussure, quand vous ferez la chaussure et que vous aurez ce fil à dissimuler et pour faire un rendu bien propre. Ok? Donc tout ce matériel, vous le trouverez dans la description, barre d'infos de la vidéo. Je mettrai aussi les liens, comme ça vous pourrez le retrouver plus facilement. Et voilà. Donc après, oui, j'ai oublié le scratch, hein. Important, vous n'avez pas besoin de beaucoup, mais scratch, il faut bien sûr le côté rêche, le côté tout doux. Voilà, pour que vous puissiez bien sûr coudre tout ça. Voilà, donc il vous faut ça en deux parties, hein, c'est important. Et maintenant, on peut passer à la suite. Petit aperçu, avant de commencer le projet, petit aperçu des tailles. Donc de ce qu'il y a derrière les tailles, en fait. Donc vous voyez, vous avez les âges ici, la longueur de la semelle intérieure, qui doit être là à peu près. Et ici, donc la largeur, c'est-à-dire la largeur de la semelle intérieure. Donc nous, ce qui nous intéresse, on est plus dans cette zone-là, ici, par là, tac tac. Donc on va se situer entre 10 et 10,5 pour la longueur de semelle. Et ensuite, voilà, dans les 4,8-4,9 pour la largeur de pied. Ok, donc tout ça pour faire une taille 6 mois. Vous, si vous avez un autre type de taille en tête, vous avez toutes les données ici et ensuite il suffira de suivre ce que je fais dans le tutoriel et adapter en fonction du coup de ce que vous avez comme base, parce que vous, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui vont changer quand même, hein. C'est-à-dire que vous aurez moins de mailles ou plus de mailles serrées ou demi-brides, etc. Donc plus ou moins de mailles, et il faudra adapter, mais le principe, la logique derrière, ce sera la même. Ok, donc voilà pour les tailles. Je vous invite vraiment à faire pause si jamais vous voulez saisir les données qui vous intéressent. Et ensuite, on part pour démarrer et commencer à crocheter nos chaussures. Pour réaliser donc la chaussure, on va prendre une longueur de pied, donc on va faire une taille 6 mois. On va prendre une longueur de pied d'à peu près, donc d'un peu plus de 10 cm et largeur 4,8-4,9 cm à peu près. Ok, donc c'est pour une taille 6 mois. Vous avez ensuite, je vous ai donné les points de repère pour les autres tailles. Donc vous aurez soit à faire toujours des petites modifications à faire, donc c'est-à-dire, ça dépendra aussi de votre façon de crocheter bien sûr, mais il faudra faire des tests. Et la base est là, mais après vous pouvez faire par exemple, il est possible que vous ayez deux mailles en l'air à faire en moins ou en plus que moi, ou bien sûr après ça s'agencera, vous verrez. Ok, donc voici la base pour faire une peinture pour
un bébé de 6 mois. Donc c'est parti, je commence avec un nœud magique et je vais pour moi crocheter donc 12 mailles en l'air. Maintenant que je suis arrivée au bout de ces 12 mailles en l'air, je vais en crocheter une pour la hauteur d'une maille serrée. Donc maintenant, je vais pas piquer dans la première maille, mais dans la suivante. Et dans la suivante, je pique bien dans la maille. Je passe bien sous les deux brins. Et je crochète ma première maille serrée. Puis je continue. Deuxième maille en l'air, je crochète ma deuxième maille serrée croisée. Ma deuxième maille serrée, pardon. Ok, alors maintenant, bon, bien sûr, pour tous les points de base, je vous recommande, si jamais vous débutez au crochet, que les points de base ne sont pas forcément encore bien maîtrisés, que vous commencez juste, je vous conseille vraiment d'aller en haut à droite, je vous mets la playlist des premiers pas au crochet et vous trouverez tous les cours dont vous avez besoin pour faire avec les points de base que j'utilise maintenant. Vous aurez tout ce qu'il vous faut dans cette playlist pour pouvoir réaliser ce tutoriel. Voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser crocheter vos mailles serrées jusqu'à la fin du rang et au total, vous en aurez 12. J'ai crocheté les 12 mailles serrées. Donc maintenant, je vais repiquer dans la maille où j'ai crocheté la dernière maille serrée. J'en crochète une nouvelle. On peut essayer en même temps aussi de bloquer le fil ici, comme ça sera une couture en moins. Et je crochète encore une troisième maille serrée. Donc dans cette même maille ici que vous avez au bout, je vais crocheter, donc on crochète 3 mailles serrées au total. Et ensuite on poursuit. Donc ça veut dire que là, dans tous les brins que je vois encore, je vais crocheter une maille serrée. Donc au total, vous en aurez à nouveau 12, hein, parce que on compte bien cette maille serrée là, comme la première. L'augmentation, c'est juste là, celle que vous avez fait ici. Donc vous avez une maille serrée, en fait, d'augmentation au niveau du coin, ici, du bord. Ok? Et là, vraiment, sur tous ces petits brins que vous voyez là, vous piquez votre crochet et vous crochetez une maille serrée. Ok, donc je vous laisse faire ça sur tout le rang. Le total, c'est qu'il vous faut bien donc 12 mailles serrées. Je suis arrivée au bout des 12 mailles serrées. Et maintenant, donc là je suis dans la maille où j'ai crocheté donc la première et la dernière. Et je vais en crocheter pour faire vraiment la symétrie encore une. Et on clôt avec une maille coulée en piquant dans la maille de la première maille serrée. Comme ceci, donc on passe bien sous les deux brins de la première maille. Maille coulée. Et le premier tour est ainsi clos. Ce qu'on va faire maintenant pour le deuxième tour, c'est qu'on va faire une augmentation du coup sur chacune des 3 mailles serrées que l'on a dans l'arrondi. Alors, ça veut dire que là, je vais commencer par crocheter 2 mailles serrées. Donc j'ai fait ma maille en l'air bien sûr, et je vais crocheter 2 mailles serrées dans la maille ici. Parce que ça, c'est ma première maille. La première maille serrée que j'ai faite, et c'est du coup la première des 12. Donc on y va, on va faire une augmentation sur cette maille-là. Ensuite, je vous laisse crocheter encore 11 mailles serrées. Donc en fait, là, vous avez celle-ci qui compte pour 1, bien sûr. Hein. Donc vous avez celle qu'on a en plus, et celle qui compte pour 1. Donc je vous laisse crocheter donc de là au bout, jusqu'à ce que vous ayez 12 mailles serrées au total. J'ai crocheté mes 12 mailles serrées, donc de 12, je compte pas la première, enfin celle que j'ai l'augmentation.
je pars d'ici jusqu'à ici. Donc là j'ai 12, donc j'arrive au niveau de mon angle. Et donc là je vais crocheter dans la même maille dans laquelle j'ai crocheté la 12e maille serrée. Je vais à nouveau crocheter une maille serrée, donc je repique dans cette même maille. Donc je fais une augmentation au final. Ensuite je vais faire une augmentation aussi au niveau de la maille suivante. Donc je pique dans la maille, je crochète deux mailles serrées. Et dans la troisième, ici aussi, je vais crocheter donc deux mailles serrées. Croise donc la troisième maille serrée du coin. Voilà, donc vous avez fait une augmentation sur chacune des mailles serrées qu'il y avait ici, que vous avez crochet dans cette même maille. Donc ça veut dire qu'au total, vous avez augmenté de 3 mailles serrées. Donc vous allez augmenter de 3 mailles serrées sur chaque coin. Ok? Donc, on était donc au premier tour, on avait 12 plus 12, ça fait 24, plus 1, ça veut dire plus 2 au total, ça vous fait 26. On avait une base de 26. Et maintenant qu'on va travailler en augmentant encore, on a toujours 12 et 12, donc 24. Et après, au lieu de 3, 12 et 12. Et ensuite, on augmente de 3, ça fait 6 en plus. Ce qui vous fait un total donc de 30. Ok? Donc je vous laisse poursuivre. Là maintenant, là on a déjà croché la première maille serrée. Il vous en faut en total encore crocheter 11 pour atteindre les 12. Et dans le coin, on va faire pareil. Ok? C'est-à-dire que vous allez faire deux augmentations encore, parce que vous avez déjà fait celle de la première ici. Ok? J'ai terminé, j'ai fait donc crocheter mes 12 mailles serrées. Puis, au total, je fais l'augmentation ici et ici. Et là, j'arrive à la fin de mon tour et je peux piquer. Donc dans la première maille, serrer, crocheter. Et on fait une maille coulée pour clore le tour. Je me suis un petit peu trompée dans les calculs tout à l'heure. Donc je vous ai dit base de 30, mais on a une base ici de 26. Et si on ajoute 6, ça vous fait bien 32. Donc vous êtes vraiment sur une base de 32 au niveau du deuxième tour. Vous avez crocheté au total 32 mailles serrées. Ok ? Maintenant, on va continuer. Donc pour le prochain tour, ce qu'on va faire, donc c'est déjà commencer par une maille en l'air. Et ensuite... ici, donc dans l'avant-dernière, au final, des mailles serrées. Donc ça, on va faire ça des deux côtés. On va crocheter qu'une seule maille serrée, donc pas d'augmentation. Donc là, je vais crocheter une maille serrée, puis ensuite, deux mailles serrées dans la suivante. Et après, ben, je vais vous laisser crocheter 11 mailles serrées, parce que bien sûr, la première ici, donc cette dernière maille serrée d'augmentation, compte aussi pour la première des 12 tout le long. Et donc là, vous allez crocheter donc encore 11 mailles serrées et vous devez arriver au niveau de la première maille d'augmentation pour crocheter votre 12e maille serrée. Donc je vous laisse crocheter tout ça. Je suis arrivée au bout de mes 12 mailles serrées, donc je les ai toutes crochetées. Donc j'arrive bien au point ici, donc c'est-à-dire la première maille serrée des augmentations. Donc là, j'ai crocheté ma 12e. Maintenant, je vais crocheter à nouveau une maille serrée dans cette même maille serrée. Donc du coup, j'ai fait une augmentation. Dans la suivante, je ne crochète qu'une seule maille serrée. Donc un peu comme on l'a fait déjà tout à l'heure. Ensuite, eh bien, dans les deux suivantes, je fais une augmentation. Donc je crochetais à chaque fois deux mailles serrées dans chacune des mailles serrées. Donc là, j'en ai fait deux. Je vais dans la suivante, j'en crochète également deux. Voilà. Et là, j'arrive à la dernière augmentation. Donc, je vais faire comme tout à l'heure. On peut entrer en symétrie. Donc là, je vais crocheter qu'une seule maille serrée. Puis, deux dans la dernière. Voilà. Et à partir de là, je vais crocheter à nouveau donc, mes 12 mailles serrées. En comptant, y compris donc celle-ci, la dernière que je viens de crocheter. Et au total, donc, je vais crocheter 12 mailles serrées. Donc je vais arriver ici, quand j'arriverai à 12. Je ferai du coup, ici, donc toujours dans cette maille, augmentation.
Dans la suivante, on travaille dans la symétrie, hein, donc je ferai qu'une seule maille serrée. Et dans les deux suivantes, augmentation, augmentation. Ok? Et après, vous rejoindrez la maille serrée que vous avez faite unique, et ensuite augmentation. Donc vous aurez exactement la même chose que ce que vous avez ici. Donc je vous laisse faire. Ok, donc on a le rang 3 qui est clos maintenant, donc on a une base de 40 mailles. Et on va commencer le rang 4. Donc j'ai déjà fait ma maille en l'air. On va commencer donc dans la première maille qui est juste ici, donc la première maille serrée. On va crocheter 2 mailles serrées. Donc on va faire une augmentation dans cette première maille. Ok, maille suivante, on va crocheter juste une maille serrée, donc pas d'augmentation. Et la dernière maille d'augmentation qu'on voit ici, parce qu'après on continue normalement, on va crocheter 2 mailles serrées. Voilà. Donc maintenant, je vous laisse crocheter encore 5 mailles serrées. Ok ? Donc, parce que celle-ci compte pour une. Donc au total, vous en aurez 6. Mais là, vous n'avez plus que 5 à crocheter. Donc je vous laisse faire. Donc en fait, 5, 6, parce que c'est la moitié. On a une base de 12. Et le but, c'est d'arriver à la moitié. Ça y est, j'ai les 6. Maintenant, je vais continuer en demi-bride. Donc je fais pour cela un jeté et je pique donc dans la maille suivante pour crocheter la première demi-bride. Puis au total, j'en crochette encore du coup 5, il m'en faut également 6. Donc 6 mailles serrées, 6 demi-brides et j'arriverai bien sûr au niveau de cette maille. J'ai mes 6 demi-brides, je suis bien arrivée dans cette maille là, dans cette maille serrée là, et là donc, je vais faire bien sûr une augmentation, c'est à dire que je refais une demi-bride dans cette même maille, dans cette même maille serrée. Dans la suivante, dans la maille serrée suivante, je vais crocheter qu'une seule demi-bride, hein, donc comme ce qu'on a fait tout à l'heure au début. Ensuite dans la suivante, je vais crocheter 2 demi-brides, donc augmentation. Voilà. Dans la suivante, encore une seule demi-bride. Ensuite, dans les deux qui suivent, donc dans celle-ci et celle-ci, je vais à chaque fois faire une augmentation. Donc crocheter 2 demi-brides ici et 2 demi-brides ici. Voilà, donc là vous avez les deux et ensuite on redescend. Donc dans la même, on travaille de manière symétrique, donc ça veut dire que ici dans la maille suivante on va faire qu'une seule demi-bride, dans la maille d'après deux demi-brides, dans la maille serrée d'après une seule demi-bride et dans la dernière on va faire deux demi-brides. Donc je vous laisse faire. Nous y voilà. Donc vous voyez bien, une demi-bride, ici les deux, une, deux. Ok, donc maintenant, je vais encore crocheter donc 5 demi-brides. Donc on fait vraiment de la symétrie hein, maintenant par rapport à ce qu'on a fait de l'autre côté. Donc là, celle-ci, bien sûr, compte dans les 6. Donc c'est pour ça que je n'ai plus que 5 à crocheter. Donc je vous laisse crocheter les 5 demi-brides et puis ensuite les 6 mailles serrées. Ok, comme ce que vous avez fait ici. Donc maintenant que j'ai crocheté les 6 demi-brides et les 6 mailles croisées, j'arrive exactement, bien sûr, au niveau de la première maille serrée d'augmentation du rang précédent. Ok ? Donc là, je vais faire une augmentation, bien sûr, et puis ensuite suivre le même schéma que ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire, dans la suivante, une seule maille serrée, ensuite dans la suivante, deux mailles serrées, dans la suivante, une maille serrée, ensuite deux mailles serrées, une maille serrée. Et là, j'ai bien sûr mes deux mailles serrées déjà qui sont faites. Une maille serrée, deux mailles serrées. Ok ? Donc on fait cette continuité. Le but, c'est d'avoir exactement la même chose que ce que vous avez ici. Donc je vous laisse faire. On arrive à la fin du dernier tour pour faire la semelle. Et on arrive avec une base de 52 mailles. Ok ? Donc là, on a bien une longueur de 10 cm à peu près. Donc je suis bien à 10. Et puis au niveau de la largeur, donc au côté le plus large, hein, je suis vers 4, à peu près 4,8 cm. Ok ? Donc je suis à ce niveau-là.
Maintenant, donc, vous avez les dimensions de votre semelle. Donc, on atteint ce qu'on voulait pour une taille 6 mois. Bien sûr, hein, si jamais vous faites une autre taille, vous avez toutes les dimensions qu'il vous faut donc au début de la vidéo du tutoriel. Je vous ai tout mis, je vous ai tout expliqué. Et maintenant, c'est à vous d'adapter, c'est-à-dire pour la longueur, par exemple, vous pouvez adapter le nombre de mailles en l'air avec lesquelles vous commencez. Bien sûr, c'est toujours plus simple si vous avez un échantillon, oui, pour les brides et les mailles serrées. Comme ça, vous savez combien de centimètres il vous faut, combien de centimètres vous avez pour, par exemple, un rang de mailles serrées, combien de centimètres vous avez pour un rang de demi-brides. Voilà, donc ça vous permet d'évaluer aussi combien de tours vous faites, quelle répartition. Donc voilà, donc pour moi, c'est cette base-là. Je vous recommande, quel que soit le nombre de mailles en l'air que vous avez ou quoi que ce soit, de vraiment suivre ce que j'ai fait. Donc ça, c'est vraiment valable. Partout. Bien sûr, il y aura peut-être quelques ajustements à faire, surtout au niveau des tours. Voilà, ici, à ce niveau-là. À vous de vous dire de répartir ensuite, vraiment d'équilibrer quand vous voulez commencer le tour et arrêter, et ensuite voir comment ça peut fonctionner. D'accord? Donc ça, c'est vraiment... Ici, vous avez vraiment la base pour vous guider dans la réalisation de la semelle. Ok, mais le principe est là. Voilà. Pour tout ça, donc bien sûr, hein, longueur, vous jouez avec les mailles en l'air ici, après vous pouvez garder exactement la même chose, et pour la largeur, vous pouvez par exemple faire un rang en plus en demi-bride, ou voilà, ou un rang en plus en mailles serrées, ça dépend ce que vous visez, d'accord? Donc maintenant, donc j'ai ma base moi de 52 mailles. Aussi une chose que je voulais ajouter, c'est, vous avez vu, j'ai travaillé moi, au niveau de la moitié, donc j'avais un nombre pair, donc ça c'était idéal. Mais si vous avez, hein, vous commencez avec une base impair et que vous avez un nombre impair, je vous recommande de faire une demi-bride en plus et non une maille serrée en plus, d'accord? Donc décaler un peu, enfin allonger la partie la plus large plutôt que l'inverse, d'accord? Voilà, juste petite suggestion pour cette partie-là. Maintenant, on va pouvoir passer au reste de la chaussure. Maintenant, donc, on a notre semelle de prête. On va faire le reste de la chaussure. Alors, pour cela, donc j'ai bien sûr donc ma base de 52 mailles serrées. Je suis ici, donc ça c'est l'endroit de ma semelle, et là c'est l'envers. Ok? Donc on va se diriger vers l'envers, parce qu'on va travailler comme ceci en fait. Donc on a notre semelle, et on va travailler le tour maintenant ici. Ok? Donc pour cela, je vais déjà lâcher, donc sortir mon crochet de ma boucle. Je vous laisse une boucle souple, comme ceci. Vous voyez, une grande boucle. Maintenant, je vais piquer dans la première maille, donc sous les deux brins, chercher la boucle, la passer sous ces deux brins. Ensuite, je tourne, donc je me retrouve après dans le sens que je veux, c'est-à-dire vers là, vers la partie qui est à l'envers de la semelle. Et je vais maintenant, donc je vois que j'ai ma boucle qui sort de cette maille, de ce V. Donc, je vais piquer dans l'arrière du brin de ce V, chercher ma boucle et la passer comme ceci. Donc maintenant je suis prête, j'ai ma boucle qui est orientée comme il faut, et j'ai plus qu'à faire une maille en l'air. Donc maintenant on va travailler en demi-bride, et on va suivre donc une répartition assez précise. Donc ici pour moi, parce que vous estimez, hein, c'est très... beaucoup plus simple d'avoir une base, c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple d'avoir une base paire, donc normalement j'espère que vous en avez une. Sinon, si jamais, ça ne devrait pas arriver, mais si ça arrive, faites en sorte de vous faire une base, de paire, d'accord? Donc pour cela, vous pouvez par exemple faire une augmentation ou autre, d'accord? Bon. Maintenant, on y est, donc ce qu'on va faire, on va répartir donc ces quatre parties. Donc vous visez où vous voulez commencer à travailler, donc pour moi ça va être à peu près comme ceci, et puis voilà, ici on n'a pas besoin, donc ce sera plus vers le bord. Donc ce qui me donne que je vais avoir 18, je vais travailler sur 18 mailles d'un côté, 18 de l'autre, et ensuite ici j'en aurai 10 et 6. Ok? Comme ça je suis bien à 52. Donc maintenant, ce que je vais faire, donc je vais commencer ici, je suis à ce niveau-là, donc je suis un petit peu en décalé. Donc je vais d'abord commencer à travailler donc, la partie des 6, et ensuite je vais pouvoir commencer les 18. Donc, on va se placer. Donc là, mon point de repère, ici, donc là où je veux commencer les 18, ça va être à ce niveau-là. Donc là, j'aurai celle-ci, ça va être ici le départ. Donc là, sur cette maille,
serrée qui a été crochetée toute seule et la dernière de l'augmentation ici. Donc ça veut dire que pour l'instant j'ai deux, j'ai crocheté déjà deux demi-brides. Donc j'y vais, j'ai ma maille en l'air qui est faite, je fais un jeté et je vais piquer ici, donc au niveau de ma maille serrée, de la première, je pique, je passe dessous, comme ceci, et je crochette ma, oups, donc on reprend, à droite, droite, gauche, gauche, droite, j'ai mes trois mailles en l'air, et je fais ma demi-bride. Ok, maintenant je fais ça encore une fois là, donc sur la suivante, donc ça va être cette, sur cette maille serrée. Donc je pique à droite, donc sous la maille, ici, puis à gauche, je vais chercher mon fil, je passe à gauche, puis à droite, donc je fais le chemin inverse. J'ai trois boucles sur mon crochet, je peux finir donc clore ma demi-bride. Ok, donc là maintenant je suis à ce niveau-là. Je suis au niveau des mailles que j'ai visées, donc ces deux-là. Là, je vais faire une diminution. Donc j'y vais, je fais ma demi-bride, comme d'habitude, je passe, ainsi, je relève, j'ai trois boucles. Donc je fais en sorte qu'elles soient lâches. Je refais un jeté, et je vais piquer au niveau de la droite de la maille suivante, à droite, à gauche, je cherche le fil, je repasse à gauche, à droite. Donc j'ai 5 boucles sur mon crochet, jeté, je passe dans les 5 boucles. Voilà. Ensuite, donc ça c'est le, ça marque les deux premières des 18. Donc je vais vous lancer, je vais vous laisser maintenant faire donc 14 demi-brides. Donc là j'y vais, hein. On y va, droite, gauche. Donc en fait je pousse, au final en faisant ça, je pousse ma maille serrée vers le haut. Donc je passe mon crochet sous la maille serrée. Et là, je peux travailler donc ma demi-bride. Ok ? Donc je vous laisse faire ça. Donc vous faites maintenant 14, vous avez crocheté maintenant 14 demi-brides. Ok ? Donc je vous laisse poursuivre. Je suis arrivée au bout de mes 14 demi-brides. Maintenant, je vais faire une diminution. Donc j'y vais. Donc comme ça, j'arriverai au bout de mes 18 mailles, donc comme j'en ai parlé au début. Voilà, donc là on a fini notre base de 18 mailles. Donc on a fait donc du coup dessus une première diminution, 14 demi-brides et une deuxième diminution. Maintenant on entame la base de 10. Qui est sur l'arrondi, et pour cela donc on va déjà crocheter une demi-bride, donc comme je vous l'ai montré, même principe, hein. Ensuite à nouveau une diminution, voilà, ensuite donc là ça me fait 3, je vais faire pareil après de l'autre côté, donc ça fait 3, donc j'ai déjà 6 maille de prise, parce que bon, ouais, on travaille quand même de manière symétrique. Ce qui veut dire que je vais maintenant crocheter 4 demi-brides. Donc je vous laisse crocheter 4 demi-brides. Une fois que les 4 demi-brides sont crochetées, je vous laisse faire du coup la diminution et la demi-bride, comme ce qu'on a fait au début. Donc vous faites sur les deux brides, les deux demi-brides suivantes, la diminution, et sur celle-ci, vous faites une demi-bride, comme ça, ainsi, donc on arrive bien au niveau de ces deux mailles ici. Ok, donc là, ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, donc on a bien travaillé nos 14 demi-brides, et la diminution s'est bien faite sur ces deux demi-brides ici. Ok, et là, ça tombera pareil, en fait. D'accord? Donc on va avoir là, ici, la diminution, ensuite la demi-bride, et à nouveau une diminution, et ensuite on repart. J'ai fini de travailler sur ces 10 mailles, donc j'ai fait, alors on a sur le schéma, hein, une demi-bride, diminution, demi-bride, demi-bride, donc 4 demi-brides,
diminution, une demi-bride. Donc ça nous fait bien 6 des deux côtés, donc avec la diminution et la demi-bride, et 4, ça fait bien une base de 10. Ok, donc ça c'est pour notre arrondi sur une base de 10. Et maintenant, donc, je vais faire exactement ce que j'ai fait ici, donc c'est-à-dire ma base de 18, et on va commencer donc par une diminution, puis 14 demi-brides, puis une diminution. Et ainsi, donc, vous arriverez donc à la fin de ces 18, et on n'aura plus qu'à finir la chaussure avec le bord de l'arrière du pied. Je suis arrivée à la fin donc de mon tour. Donc vous avez vu, hein, j'ai la dernière augmentation, donc la fin des 18. Ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4 demi-brides, 5 et 6, les deux qu'on a faites au début. Ok ? Donc maintenant, on peut clore le tour avec une maille coulée. Et on repart avec une maille en l'air. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va déjà ici sur ces deux. Donc là, on est sur vraiment, on travaille sur l'arrière, la partie arrière du pied. Après, on a les côtés et la partie avant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est déjà commencer avec une diminution. Donc là, on est sur l'arrière du pied. Donc ça, les diminutions, ça permet en fait de plier un petit peu plus vers l'intérieur à la bordure. Ok. Ensuite, toujours aussi au niveau donc, de la diminution que l'on a faite ici. Bon, ben, on va faire une diminution par-dessus, c'est-à-dire que là, je pique donc à sa droite. Puis je pique à sa gauche. Donc ça, cette diminution là que je viens de faire, c'est le début par rapport à la base que l'on a faite, là, des 18. Donc maintenant, bon, on a perdu 2, donc c'est une base de 16 maintenant. Mais ça vient de là. Ok ? Ensuite, je vais vous laisser crocheter 3 brides, 3 demi-brides, pardon, pour la suite. Les 3 demi-brides sont crochetées. Maintenant, je fais une diminution. Deux demi-brides. Une diminution. Et ensuite, à nouveau, 3 demi-brides et une diminution. Ok ? Donc au total, vous comptez, hein, ça vous fera bien 16. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc vous avez bien 16. Et le but, en fait, hein, ici, c'est de répartir des diminutions et aussi de bien, d'en mettre bien au centre de manière à pousser la bordure aussi vers l'intérieur et la resserrer pour que le pied soit bien tenu aussi par la chaussure, hein, que la chaussure tienne bien au pied. Donc je vous laisse crocheter encore 3 demi-brides, puis une diminution sur les 5 mailles suivantes. Voilà, donc j'ai... voilà ce que ça donne, hein. Diminution, 3 demi-brides, diminution, 2 demi-brides, diminution, 3 demi-brides, diminution. Maintenant j'arrive sur le devant de la chaussure, il me reste plus qu'une base de 8. Alors maintenant je vais crocheter une demi-bride, une diminution, donc là j'ai déjà consommé 3 mailles. Mais il me faut la même chose encore pour l'autre côté, pour la symétrie. Donc ça veut dire qu'il me reste 2 mailles. Et donc du coup, juste sur ces deux, les 2 mailles suivantes, je fais 2 demi-brides. Donc sur le devant de la chaussure, c'est assez important de bien accentuer du coup sur les diminutions de manière à ce que le devant soit bien, bien à plat, bien dessiné. Ok ? Donc là, bah, là j'ai fait maintenant demi-bride... Enfin, pas demi-bride... Diminution, un demi-bride, puis demi-bride,
Et là, j'ai travaillé sur les 8. La base de 8. Ok? Et maintenant, je vous laisse faire exactement ce qu'on a fait là. Mais en sens inverse. Donc, ça veut dire qu'on commence avec la diminution 3 demi-brides, diminution de demi-brides, diminution 3 demi-brides et diminution. Ok? Je vous laisse faire ça maintenant. Une fois arrivé au bout, donc qu'on a fait donc diminution 3 demi-brides, diminution 2 demi-brides, diminution 3 demi-brides, 2 diminutions. Maintenant, eh bien, on va travailler la symétrie ici. Donc on a commencé le bout du pied avec une diminution. Donc là, on va faire maintenant une diminution également. Et on va ensuite crocheter deux demi-brides. Parce que du coup, on n'a plus qu'une base de 6 hein, cette fois-ci. Comme on avait une base de 16 sur les côtés et une base de 8 sur le devant. Donc là, je fais mes deux demi-brides et je peux clore avec une maille coulée le deuxième tour. Voilà, donc vous avez vu hein, la structure, comment les diminutions sont réparties et le but étant voilà, de commencer à donner cette forme à votre chaussure. Ok ? Donc, si jamais vous avez un nombre de mailles différents, bien sûr, ce ne sera peut-être pas forcément exactement pareil, mais essayez de garder cette idée, ce principe, de manière à ce que vous ayez un rendu similaire. D'accord ? Ok, donc on va pouvoir commencer le troisième tour maintenant. Et alors, il nous reste une base de 12 sur les côtés, une base de 6 sur le devant, une base de 4 sur le derrière. Ok, avec toutes les diminutions qu'on a faites, etc. Donc maintenant, je vais pouvoir commencer avec une maille en l'air. Et donc, au niveau de la première diminution, donc là, je suis sur du coup l'arrière sur la partie de 4, derrière la chaussure. Et je vais crocheter donc une demi-bride. Voilà. Ensuite, au niveau de la deuxième diminution, je vais faire une diminution. Et là, je commence sur la base des 12. Ok, donc ça me fait déjà deux mailles sur la base de 12, deux qui sont occupées maintenant. Alors, attends, je continue, je vais crocheter trois demi-brides. Donc je vous laisse crocheter trois demi-brides. Puis diminution. Trois demi-brides. Diminution. Ok, donc ça vous fait bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, maintenant on arrive sur le devant. Et sur le devant, c'est là où on a notre base de 6. Je vais donc crocheter maintenant deux demi-brides. Une diminution. Et deux demi-brides. Donc là, vous êtes bien sur une base de 6. Et ensuite, vous reprenez exactement ce que vous avez fait jusqu'ici. Ok ? Donc je vous laisse arriver donc jusqu'à la dernière diminution. Exactement donc ce qu'on a fait là, de l'autre côté, sur cette base de 12. Donc là, on travaille la base de 12. J'arrive à présent sur l'arrière de la chaussure. Et je vais crocheter total donc 3 demi-brides, parce que j'ai déjà crocheté la première au début du rang, qui est juste ici, donc au tout début. Donc maintenant je vais en crocheter encore 3, parce qu'il m'en faut 4 au total, vu que de toute façon je n'ai qu'une base de 4. Hein. Et
et plus qu'à clore avec une maille coulée. On va faire un dernier tour en maille serrée et on va faire une diminution sur chacune des diminutions d'extrémité. Donc c'est-à-dire celle-ci, celle-ci. Donc en fait les dernières diminutions des côtés en fait. Donc ici et ici. Donc c'est-à-dire là où vous avez votre base tout à l'heure de 12, maintenant vous n'en avez plus que 9. Eh bien vous avez ces deux augmentations ici. Et il y en a une aussi ici et ici. Et là-dessus, vous ferez, uniquement sur ces points-là, vous ferez du coup une diminution. Le reste, vous faites juste une maille serrée. Ok ? Donc je vous montre le début. On y va, une maille en l'air. Maille serrée dans la première maille. Là, j'arrive au niveau de ma diminution. Donc je fais une diminution en maille serrée. Voilà. Ensuite, je vais crocheter jusqu'à arriver à la prochaine diminution. Mi voilà. Ma diminution est là. Donc je fais une diminution en maille serrée par-dessus. Voilà. Et ensuite, on continue jusqu'à arriver à la suivante qui est juste ici. Et là, on fera une diminution à nouveau, ensuite maille serrée, et ici encore une diminution, et maille serrée. Donc je vous laisse finir ainsi le tour. Et voilà. Le tour est fini, la chaussure l'est aussi, enfin, du moins la base. Maintenant, on va couper le fil. On laisse une petite longueur pour les coutures quand même. Pas besoin de trop non plus. Et on tire. Voilà. Donc maintenant, on va reprendre. Donc on va se positionner assez suffisamment au milieu et aussi du bon côté. Donc on va, donc là, on a la chaussure qui est comme ça. Donc on va se mettre là et on va viser le milieu à peu près. Hein. Il n'y a pas besoin d'être super, vraiment très exact non plus. Donc on y va, on pique. Donc pour se positionner, hein, regardez, là j'ai la partie, donc vous pouvez en fait positionner votre chaussure. Regardez là où vous avez à peu près le milieu, comme ceci. Et ensuite, je compte, hein, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là je vais dans cette maille-là, du coup, et on va chercher le fil. Voilà, on fait comme si on changeait de pelote, hein, au final. On prend le fil, on le passe dans la maille, et ensuite, donc on peut laisser une petite marge pour pouvoir coudre. Et là, je fais une maille en l'air, 2, 3, et au total, il m'en faut 10. Bon, après, pour moi c'est 10, hein, mais le but pour vous, c'est que vous puissiez avoir une longueur suffisante pour pouvoir bien régler, en fait, quand vous fermez après. Ok ? Donc je vous laisse estimer. Une fois la chaînette terminée, j'en ajoute une pour la hauteur et j'y vais. Je vais crocheter une demi-bride dans chacune des mailles. Donc ça veut dire au total, j'aurai 10 demi-brides. Ok ? Donc je vous laisse faire. Maintenant que j'arrive, que j'ai crocheté mes 10 demi-brides, ben j'ai plus qu'à piquer dans la maille d'à côté. Ici, là où je commence, par rapport à là où j'ai commencé, et maille coulée pour fixer la bande. Voilà. Et maintenant, ben, vous n'avez plus qu'à à nouveau couper le fil, laisser une petite marge pour les coutures, et ensuite on va pouvoir passer à la couture. On passe aux coutures. Il vous reste plein de petits fils qu'il va falloir maintenant dissimuler. Donc là, vous avez vu, j'ai rouvert en fait ici. Donc c'est-à-dire que j'ai sorti la maille coulée que j'ai faite et j'ai sorti mon fil à ce niveau, au niveau de la dernière maille serrée. Parce qu'on va faire une clôture pour que le schéma des V que vous voyez ne soit pas interrompu. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vais passer mon aiguille
comme ceci. Donc vers l'intérieur de la chaussure, je passe bien sous les deux brins de la maille la plus proche. Je tire. Et ensuite, je vais... Donc là, ici, j'ai le fil qui sort de cette maille-là. Et en fait, je vais piquer dans le brin qui est vers moi. Uniquement. Je ne passe pas sous les deux brins, je pique dans le brin qui est vers moi. Et je tire. Voilà. Donc ça vous fait, en fait, comme si vous aviez que des mailles, en fait. Il n'y a pas de... Ça fait une interruption, on va dire, discrète. Maintenant, eh bien, on va glisser le fil un peu partout. Donc là, je vais déjà le glisser comme ceci. Et ensuite, je vais me déplacer. Je me positionne de préférence à l'arrière du travail. Et je vais glisser le fil dans toutes les mailles que je peux trouver de manière à consolider le travail. Ok ? Donc, je vous laisse faire. Vous voyez toutes les mailles que vous pouvez trouver. Voilà, vous le bloquez au maximum. Tout en le dissimulant, bien sûr. Hein. Maintenant, de la même manière, vous pouvez coudre les fils ici. Donc, les deux fils que vous avez. Donc, vous faites en sorte de bien fixer la bande. Et aussi, en même temps, de bien dissimuler le fil un peu partout. Ok ? Comme je vous l'ai montré. Donc, je vous laisse faire. Une fois toutes les coutures faites, on va dire la base de la chaussure est terminée. Maintenant, on va ajouter des scratchs. Alors, les scratchs, on les a coupés en tout petits. Donc, ils font en sorte que... Ils passent bien sous la languette ici et que ça ne soit pas visible de l'autre côté. Ok, que ce soit bien dissimulé. Et après, l'autre, vous faites en sorte que ce soit à peu près la même taille. Ici, je mets la partie douce. Parce que comme ça, si jamais ça touche le pied du bébé, etc., ça ne le gratte pas, ça ne l'irrite pas. Ok, donc on met la partie douce ici et on mettra la partie un peu plus rêche ici. Ok, donc pour la coudre, hein, tout simplement, vous positionnez et ensuite, on va partir en aller-retour avec le fil et l'aiguille. Donc, je couds à la main, hein, voilà. Et on fait des allers-retours tout simples. Alors, on fait en sorte que le fil ne soit pas visible de l'autre côté, donc on repique à peu près à l'endroit où l'aiguille est sortie à chaque fois. Comme ça, on ne voit pas de traces de fil blanc de l'autre côté. Voilà, puis on essaie de bien toujours le maintenir. Si vous voulez, vous pouvez toujours épingler, si vous voulez qu'il se tienne bien. Donc voilà, ok? Comme ceci, vous faites des allers-retours et vous avancez tout doucement. Donc je vous laisse coudre cette partie-là et l'autre. L'autre, vous faites en sorte aussi d'être aligné. Et de le positionner en fonction. Hein. Donc ça veut dire que vous pouvez vous repérer avec la partie opposée ici et ensuite vous positionner de manière alignée l'autre scratch. Ok ? Et vous le cousez de la même manière. Donc je vous laisse coudre les scratchs. Voilà, donc votre petite chaussure est maintenant prête. Donc vous avez, enfin du moins, on a les scratchs maintenant. Donc vous voyez, l'avantage c'est que vous pouvez régler comme vous voulez, donc plus ou moins. Voilà. Maintenant, on va faire la petite touche finale, c'est-à-dire qu'on va ajouter le petit nœud. Donc, vous utilisez le ruban que vous avez et vous faites un petit nœud, comme ceci. Et ensuite, plus qu'à le coudre. Donc, pour cela, je me munis d'une aiguille et de fil dans les tons du fil que vous avez utilisé pour la chaussure. On positionne le nœud dans le sens qu'on veut, hein, qu'on préfère, ici comme ceci, moi je vais le mettre comme ça, je le centre sur le devant de la chaussure, donc je le centre, je le positionne, et ensuite je vais le coudre. Et pour cela, on va passer par derrière, et à chaque fois faire des allers-retours comme ceci, en attrapant le nœud, sans pour autant que le fil passe, que vous ayez le fil ou l'aiguille qui passe ici. Il faut pas que ce soit visible sur le devant, le fil crème. Hein. Attention. Donc, je vous laisse faire des allers-retours comme ceci en fixant votre petit nœud. Et une fois que c'est fait, la touche finale aura été cousue et votre petite chaussure sera terminée.
Et voilà, votre petite chaussure est prête et terminée. Maintenant, vous n'avez plus qu'à faire la deuxième. Et attention, hein, faites en sorte aussi de penser à la languette qui doit être dans l'autre sens. Hein. Ok? Je vous laisse faire. Et voilà le résultat. Vos petites chaussures bébés 6 mois sont maintenant terminées. Donc vous avez ces petites chaussures avec languette, scratch, petit nœud devant pour la petite touche, la petite finition. Voilà, donc j'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu, que les explications étaient suffisamment claires. Si c'est le cas, je vous invite à aimer la vidéo. Laissez aussi des commentaires, posez vos questions, c'est important. Je vous invite également, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel. Je vous invite également à aller voir en barre d'infos, description de la vidéo, pour les liens vers le matériel, la liste de matériel aussi, plein d'autres informations comme mes pages Facebook et Instagram, si vous voulez aller voir ce que je fais aussi sur ces plateformes. Donc vous allez vraiment aller voir. Et puis aussi, si jamais, faites-en profiter aussi à votre entourage, si jamais, partagez la vidéo, si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées. Je vous encourage vraiment à faire ça et je vous en remercie d'avance. Et je vous dis donc à très très vite. Salut !